S'il est marié à Laetitia Ortiz Rocasolano depuis le 22 mai 2004, Felipe Videspagne a connu une autre relation intense quelques années auparavant. Le monarque était en effet en couple avec la mannequin Eva Sanom. Père de deux magnifiques filles, le roi Felipe Videspagne est plus comblé que jamais. Si le monarque a épousé Laetitia Ortiz Rocasolano en mai 2004, il a connu une belle histoire d'amour avant elle avec la mannequin norvégienne Eva Sanom. Les deux se rencontrent pour la première fois en 1997. Elle a 22 ans et étudie à Madrid. Lui a 29 ans et tombe sous le charme de la belle blonde. Rapidement, une histoire d'amour naît entre les deux jeunes gens mais ne sera pas au goût des parents du prince, le roi Juan Carlos et son épouse Sofia. En effet, selon les royalistes les plus conservateurs, les séances photos en lingerie de la jeune mannequin seraient inappropriées, d'autant plus que certaines sont topless. Une pression trop forte s'y est-il lors du mariage du prince Haakon de Norvège et de Mette Marie, en août 2001, que le couple fait leur première apparition au sein du cercle royal. Pour la cérémonie, Eva Sanom est vêtue d'une robe bleu roi au décolleté plongeant, une tenue jugée trop vulgaire par la presse espagnole. En décembre de la même année, alors que des rumeurs de fiançailles battent leur plein, Felipe d'Espagne annonce à la surprise générale la fin de relation. Si pendant leur histoire de 5 ans, Eva Sanom a toujours été très discrète, elle brise le silence pour la première fois en 2021 dans une interview au journal norvégien Aftenposten. Elle explique notamment que c'est elle qui a décidé de mettre un terme à la relation, ne supportant plus d'être assaillie par les paparazzi. Aujourd'hui, l'ex-mannequin est devenue une publiciste de renom et mère de deux enfants. Deux ans après la fin de cette idylle que le roi Felipe vit a fait la rencontre de Laetitia Ortiz Rocasolano. Cette fois, il veut à tout prix protéger sa chère et tendre et parvient à imposer son choix du cœur à la cour.